Bonsoir à tous. Je ne sais pas si vous m'écoutez, si le son est bon. Laissez-moi savoir si le son est bon. S'il vous plaît, laissez-moi savoir si le son il est bon. Je ne sais pas si vous m'écoutez proprement. Est-ce que vous m'écoutez proprement? S'il vous plaît, laissez-moi savoir. En principe, je suis direct et devrait commencer à 20h, donc dans pratiquement 4 minutes, on va lancer. Et je ne sais pas si vous m'écoutez proprement. Est-ce que vous m'écoutez? Ok, donc le volume est bon alors. Le volume n'est pas bon. Le son est bon. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Je veux juste savoir si vous m'écoutez parfaitement. C'est cool alors. Si vous m'écoutez, c'est bon. On va juste attendre encore 4 petites minutes, 3 petites minutes. Le temps de lancer. C'est vrai que je ne suis pas un habitué des directs. Et ça fait un peu plus d'une année que je suis parti des réseaux sociaux. Donc, apparemment, ça s'est dit partager, partager. Donc, je ne vais que faire du copier-coller, essayer de partager pour que le plus de personnes puissent être avec nous ce soir. Ok, merci Thierry Le Lion. Mon bon petit. Ouais. Deux autres petites minutes et on va lancer le direct. Dans une minute.
Oui, il est 20h. En fait, ça fait un moment que je suis parti des réseaux sociaux. Là, je sais pas si le son est bon. Et si à un certain moment, le son n'est pas bon, laissez-moi le savoir. Et j'ai pris une petite retraite des réseaux sociaux parce que, à un certain moment de la vie, je ne sais pas si le son est bon. Je disais, à un certain moment, j'ai pris un petit recul par rapport aux réseaux sociaux, juste parce que j'estime que dans la vie d'un homme, à un certain moment, il faut reculer pour mieux se traiter. Il faut reculer pour se concentrer sur des choses importantes dans la vie. Et loin des réseaux sociaux, j'ai pu faire beaucoup de choses et avancer dans ma vie. En fait, je fais justement ce direct parce que j'ai été interpellé par beaucoup de ces personnes qui m'aiment et qui m'apprécient, qui m'ont fait parvenir d'un certain nombre de choses qui se passent dans les réseaux sociaux. Je sais qu'on est dans une communauté des on-dit. Pourquoi? Parce que quand tu es dans ton coin, il y a des gens qui connaissent parfois ta vie mieux que toi. Donc, il m'a été reporté un certain nombre de choses. Ces personnes étaient vraiment en détresse et je pense que il est important dans la vie de venir vers ces personnes qui t'aiment, qui sont loin de toi, pour les rassurer. Et je veux juste dire à toutes ces personnes qui sont là ce soir que je me porte bien. Et sincèrement, je ne souffre de rien. Les gens sont dans les réseaux sociaux pour essayer d'inventer la vie des gens. Et je suis au Cameroun, ça va faire 6 mois. Je suis arrivé au Cameroun le 27 janvier. Et il a été reporté que je suis calé au Cameroun et que je ne peux pas rentrer et que je suis bloqué au Cameroun. Moi, j'aimerais faire savoir à certaines personnes que je suis né au Cameroun. Le Cameroun, c'est mon pays. On ne calme pas dans son pays. On rentre dans son pays. Pourquoi? Parce qu'on est censé rester dans son pays. Ça fait 6 mois que je suis au Cameroun et je compte faire encore un peu plus de temps. Pourquoi? Parce que en plus d'une vingtaine d'années en Occident, c'est la première fois que je reste dans mon pays aussi longtemps. Quand tu as fait longtemps à l'étranger, il est souvent important quand tu fais un bilan, parce que c'est important de faire le bilan dans la vie. Après toutes ces années en Europe, tu as comme l'impression que tu fais du surplace. Pourquoi? Parce que contrairement à ce que beaucoup de nos jeunes frères pensent, et qui vont mourir dans la Méditerranée. Les gens pensent que l'Europe, c'est un endroit où on réussit automatiquement. L'Europe, ce n'est pas le paradis. Et c'est pour ça que je profite de cette tribune pour dire à nos jeunes frères que quand vous vivez en Europe, chaque jour de vos vies, pensez à l'Afrique. L'Afrique, ce n'est pas, j'aurais 200, 500 millions avant d'entrer. L'Afrique, c'est chaque jour, il faut apprêter quelque chose. Chaque mois, il faut apprêter quelque chose pour le Cameroun. Et en fait, je reviens pourquoi? Parce qu'il y a de cela pas longtemps, on a vu dans les réseaux sociaux beaucoup de nos jeunes frères qui sont morts dans le Maghreb parce qu'ils étaient en train de s'acheminer vers l'Occident. Et j'aimerais faire savoir à mes jeunes compatriotes que c'est vrai que c'est difficile au Cameroun, mais rien ne vaut une vie. Je ne pense pas qu'il soit important, qu'il soit nécessaire de mourir dans la Méditerranée, juste parce qu'on est en train d'aller rechercher quelque chose de meilleur. Et souvent, on pense que l'herbe est plus verte ailleurs. Pourtant, après 6 mois au Cameroun, il y a tellement, il y a un grand potentiel dans notre pays. Donc, je veux commencer par là pour dire à ces personnes qui semblent se réjouir du fait que je sois calé au Cameroun et que du fait que je misère au Cameroun, qu'en réalité, ce sont ces personnes qui vendent de l'illusion aux jeunes frères,
Moi, quand je vis au Cameroun, je vis comme un Camerounais. Je vis comme la personne de tous les jours. Je ne suis pas de cette personne qui va venir dans les réseaux sociaux se vanter de son patrimoine. Je ne le fais pas. Déjà, un, je ne suis pas une personne qui montre le chez moi, qui montre ce que j'ai ou ce que je n'ai pas. Parce que moi, j'estime que ce n'est pas, en tant qu'aîné, une bonne façon de montrer. Ce n'est pas la meilleure direction à montrer à nos jeunes frères. Ça, c'est... Les personnes qui font ça, ce sont des vrais assassins. Pourquoi? Parce que vous faites miroiter aux jeunes qui sont au Cameroun que dès qu'on traverse l'Occident, c'est beaucoup d'argent. Moi, j'ai fait mon chemin, j'ai galéré. Où je suis aujourd'hui, ce n'est pas en une journée. Moi, je suis de ces personnes qui a commencé par le bas. J'ai souffert pour être ce que je suis. Donc, ces personnes qui disent que je souffre au Cameroun, ce sont ces personnes qui n'ont pas encore atteint mon niveau de maturité. Je suis au Cameroun, je fais du sport, je ne fume pas, je ne bois pas, je ne prends pas, je n'ai jamais pris de drogue de ma vie. Donc, chaque jour, quand je me lève chez moi, pour les personnes qui me connaissent, qui sont au Cameroun, chaque jour, je suis au Parcours Vita. Le Parcours Vita est à 5 minutes de chez moi. Il me plaît souvent de marcher à pied pour y aller. Donc, je n'ai pas besoin de prendre un véhicule pour aller au Parcours Vita. C'est vrai, moi j'adore les Benzikin. Beaucoup de gens me voient et me disent, mais grand Cyclone, qu'est-ce que tu fais sur un Benzikin? Moi je dis non. Quand je suis au Cameroun, je dois montrer le bon exemple. Les gens disent que je n'ai pas de voiture. Je tiens à dire à certaines personnes, mon patrimoine, c'est pas du lol, c'est pas du bluff. Mon patrimoine immobilier au Cameroun s'élève environ à 500 millions de francs CFA. C'est pas de la rigolade. Donc, une voiture, ce n'est pas un problème pour moi. Je peux rouler dans des berlines au Cameroun, mais ce n'est pas ça que je veux montrer à mes jeunes frères. Déjà, beaucoup de personnes qui osent prononcer mon nom comme si j'étais leur vulgaire camarade. Moi, j'ai fait mon bout de chemin. Pour les personnes qui me connaissent, en Angleterre, ma plaque d'immatriculation, c'est mon nom, Aloïse. Et elle coûte 19 millions de francs. Donc, je n'ai pas besoin de mettre ça dans les réseaux sociaux. Les gens, ça va faire près de 15 ans, j'ai une plaque d'immatriculation en Angleterre. C'est mon nom, Aloïse. C'est 19 millions de francs, rien que la plaque. Je ne vais pas aller au niveau de la voiture. Donc, je veux dire à certaines personnes qui peuvent s'asseoir et qui pensent qu'on se lève pour parler des personnes qui ont fait leur chemin, d'essayer de se revoir. Moi, j'ai été dans l'événementiel pendant beaucoup d'années. J'ai supporté beaucoup de personnes. Et je ne pense pas que, venu au Cameroun, je sois encore au niveau où je m'attache, moi je l'appelle ça, je m'attache à, comment je peux dire, je m'attache plus aux petites choses. Aujourd'hui je suis à une étape de ma vie de réalisation, j'ai fait des grandes choses, je suis parti des réseaux sociaux, ça va faire un peu plus de 2 ans, j'ai fait beaucoup de choses. J'ai beaucoup de grands projets, et les projets que j'ai c'est pour aider mes jeunes frères au Cameroun. Au Cameroun je marche avec les gens de la diaspora. Je marche, quand je vais au Parcours Vita, je me dis, mais écoute, grand Simon, tu fais quoi dans cette salle? Il y a des grandes salles. Il dit, non, moi je préfère venir, j'aime le charbon, j'aime tout ce qui est en anglais, dit off. Moi je préfère aller dans des salles où je vais rencontrer des jeunes et tout, des personnes normales. Je ne vais pas arriver au Cameroun, aller dans des endroits, je peux dire poches. Pourquoi? Parce que les endroits poches au Cameroun, en Occident, en fait, c'est un peu comme l'échauffement. Pourquoi? Parce que j'ai fréquenté des grands milieux en Europe. Donc, je n'ai pas besoin de venir au Cameroun essayer de prouver quelque chose. Donc, pour ces personnes, je dirais que je ne souffre pas au Cameroun. Je suis dans un immeuble. Tous les appartements sont meublés. Tous mes appartements sont meublés. Mais j'aurais pu profiter de ma page Facebook si j'avais besoin d'argent pour faire la promotion de mes appartements. Je ne le fais pas. Je ne dirais pas parce que je n'ai pas besoin d'argent, mais parce que j'ai dans la tête est beaucoup plus grand que cela. Je ne suis pas un commerçant. Pourquoi? Parce que j'ai fait ces appartements. Ce n'est pas surtout dans le sens de le commercialiser. C'est un défi personnel. Donc, pour ces personnes qui pensent que je souffre, essayer de grandir. Il y a un peu de maturité. Pourquoi? Parce que ce n'est pas tout le monde qui est dans le maturité. J'ai été propriétaire de boîtes de nuit en Angleterre. J'ai été propriétaire de sociétés. Déjà en 2001, j'avais une société en Angleterre qui avait une valeur de près d'1 million d'euros.
Donc, je ne suis pas là pour faire un étalage sur ma personne, mais c'était juste un décor, juste pour cette personne que je vis. Vous allez toujours me voir sur les bains de sitting, vous allez toujours me voir à pied. Pourquoi? Parce que je ne vis pas par rapport aux autres. Je n'ai rien à prouver. J'ai un patrimoine immobilier. Si je veux n'importe quelle voiture Cameroun, je vais l'avoir. Mais ce n'est pas mon truc. Pourquoi? Parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, je ne fume pas, je ne bois pas. Tu ne me verras jamais au Cameroun dans une boîte de nuit. Je ne fréquente pas les snacks. Je vais au sport, pour les personnes qui me connaissent. Après mon sport, je suis chez moi. En fait, je suis un peu sidéré. Pourquoi? Parce que je sais à peu près d'où ce genre de rumeurs viennent. Pourquoi? Parce que il y a des personnes qui montent en Europe et qui s'assoient dans les petits milieux et qui peuvent se vanter de dire qu'ils m'ont bloqué au Cameroun. Je veux dire, c'est un petit cafard qu'on appelle Yoro. Il peut aller en Europe, s'asseoir dans les milieux, dire qu'il m'a bloqué au Cameroun. Mais ce petit rat, est-ce qu'il peut me bloquer au Cameroun? Est-ce qu'il a la possibilité? J'aime pas quand les gens s'assoient dans leur petit milieu de fait mal et prononcent mon nom. J'aime pas ça. Pourquoi? Parce qu'il faut parler des gens qui ont ton même cursus. D'accord? Pourquoi? Parce que premièrement, tu te vantes de m'avoir bloqué. Tu peux me bloquer. Va là le chez moi. J'ai un chez moi. D'accord? Je suis à Denver. J'ai un chez moi. Je te mets au défi. Tu as dit que tu as confié mon immeuble. Je te mets au défi. Tu mets une seule photo devant mon portail. Je te donne mon titre foncier. Faut pas parler. Faut pas parler quand tu te retrouves au milieu des gens. Je dis, tu mets une seule photo sur les réseaux sociaux devant mon portail. Je te donne mon titre foncier. Pourquoi? Parce que chez moi, il y a un système de caméra. Quand tu es devant la caméra, les gardiens, ça signale aux gardiens. Et les gardiens, tu connais, je dis une seule photo devant le chez moi. Apparemment, tu dis après 3 semaines, tu auras le choix. Mais tu délires, petit con. Tu délires, petit con. Toi, tu es un petit rêveur. Petit idiot. Rien que mon jardin, tous tes terrains mélangés, mon jardin avale. Tu m'as dit que tu as l'argent. Tu n'as rien, petit idiot. Tu es ici au Cameroun, vous profitez du foncier. Tu construis des immeubles qui avaient de mauvaises tuyauteries. Tu construis des immeubles que tu as des appartements de l'île où des gens sont à l'intérieur. La plomberie est tellement mal faite que l'eau coule partout à l'intérieur. Donc, à un certain moment, il faut parler des personnes qui sont à votre niveau. Petit idiot, toi et moi, on est au même niveau. D'accord? Donc, tu peux aller te vanter partout. Pourquoi? Parce que ce qui me fait mal, c'est que des gens comme toi, tu t'assois, tu instrumentalises un petit con qui est à Lyon, parce que je vais l'instrumentaliser. Pourquoi? Parce que avant même d'arriver là-bas, je sais que entre Papy Longchamp et toi, vous avez une petite histoire sentimentale. J'ai eu vent de tous tes multiples déplacements sur Lyon. Je sais que personne ne doute de ta sexualité. Tu vois, je sais que tu passes beaucoup de temps à Lyon et que entre papy et toi, c'est les atomes crochus. Donc, en fait, moi, je n'avais pas vraiment besoin de parler de papy Longchamp. Pourquoi? Parce qu'en réalité, c'est un enfant qui me fait pitié. Il me fait pitié, pourquoi? Parce que quand tu vois un enfant qui a commencé à parler à l'âge de 14 ans. Quand tu vois un enfant qui a pissé au lit jusqu'à l'âge de 14 ans. Quand tu vois un enfant qui a 14 ans, pendant que ses petits amis jouaient avec les pistolets, lui, il portait des poupées, il tressait les poupées et il s'habillait en jupe. Sincèrement, je me trouve mal de dire que je parle de cet enfant. Et j'aimerais sincèrement qu'il ne prenne pas ça comme un clash. Parce que je pense que pour clasher quelqu'un, il faut être à son niveau. Je pense qu'intellectuellement, il ne peut pas supporter un clash avec moi. Parce que tout ce que je dirais, il ne comprendra, il ne va rien comprendre. Et il aura besoin d'un traducteur. Donc, si je parle de lui, c'est parce que premièrement, j'aimerais interpeller ses parents. J'aimerais faire une doléance à son papa. Parce que son papa, c'est un monsieur responsable. Son papa, c'est un monsieur responsable. Un grand frère pour qui j'ai beaucoup de respect. Ce papa a décidé de ne plus parler avec ce garçon. Il a déshérité. Donc, en réalité, grand frère, je me mets à genoux devant toi. Essaye
de mettre un peu d'eau dans ton vin parce que ce garçon, il a besoin d'aide. Papy a besoin d'aide. Donc, de rapprocher de ton fils et si possible, s'il faut contacter des services spécialisés pour l'aider parce que sincèrement, il a besoin d'internement. Donc, il serait mal pour moi de parler d'une personne qui a une déficience mentale. Donc, je n'aimerais pas qu'il... C'est la première et la dernière fois que je parle de lui, parce que sincèrement, il est juste pour une personne de mon niveau de parler de des personnes mentalement déséquilibrées. Mais en fait, si je parle de lui, c'est juste pour montrer la cruauté de certaines personnes. Quand je parle de cruauté de certaines personnes, je parle de cruauté des personnes comme Yuro Joe, qui doivent instrumentaliser des enfants comme ça, des petits qui manipulent pour essayer de venir dans les réseaux sociaux parler de moi. Donc, à un certain moment, il faut faire preuve de maturité. C'est cruel. C'est tellement cruel d'utiliser une personne qui n'a pas tous ses sens. Et moi, je dis sincèrement, papy, je t'excuse. Tu es un jeune que j'ai rencontré à l'époque en Angleterre, que j'ai dépanné, parce que tu étais comme un clochard. Et après, j'ai appris que tu avais été interné dans un asile et que tu étais ressorti. Et après, j'étais perdu de vue. Mais j'étais surpris de te revoir dans les réseaux sociaux. On m'a dit, il y a un petit qui parle de moi. Mais je pense que je me suis approché de toi comme un aîné. Pourquoi? Parce que ton papa, je le connais, c'est un monsieur respectable. Et je t'ai dit, petit, sincèrement, on t'instrumentalise. Et n'entre pas dans ce jeu, tu vois. Et tu m'as promis, grand frère, tu es quelqu'un qui m'a aidé à Londres. Et sincèrement, je vais arrêter de parler de toi. Mais par la suite, j'ai remarqué que tu es reparti de plus belle. Et j'ai compris. Pourquoi? Parce que quand je parle de cruauté, je parle de personnes dépourvues d'humanité. Je parle des personnes comme Marie-Thérèse Babon. Pourquoi? Parce que cette grabateur, tu vois, qui devrait être en train de se contenter de ses égaux dans les asiles, dans les asiles pour vieux, est dans tous les petits trucs de petits garçons. Tous les petits trucs de petits garçons. Moi, j'aimerais dire à cette dame, profiter de cette tribune, que c'est cruel d'utiliser un enfant qui a une déficience mentale pour aller dans les réseaux sociaux parler des gens. C'est méchant. Pourquoi? Parce que tu sais très bien que cet enfant, il a besoin d'aide. La meilleure façon de l'aider. Pourquoi? Parce que je le dis, pourquoi? Parce que la plupart du temps, il m'a été reporté que dans ses directs, c'est toi qui lui donnes l'ordre d'entamer le direct. Et que il se pourrait que c'est toi qui lui a remis l'ordinateur. Parce que moi, je dis, il se pourrait. Pourquoi? Parce que il m'a été reporté que pendant ses directs, il a dit que il avait l'ordinateur de Coco Lago et c'est toi qui le lui avais remis. Moi, j'aimerais savoir, quand un enfant comme ça se met sur les réseaux sociaux et qui parle de l'artiste Lady Ponce, j'estime que si tu prends Lady Ponce comme ton ami, tu ne devrais pas instrumentaliser cet enfant parce qu'il est non seulement incohérent, c'est un champion du double langage, il se met dans les réseaux sociaux, il dit... J'ai reçu l'ordinateur de Coco Lago. Sincèrement, est-ce que ce que tu fais, c'est... en fait, je vais poser la question. Ce que tu fais, qui ça dessert? La personne que cela dessert, c'est Lady Ponce. Donc, je veux dire, les personnes comme toi, vous êtes cette gangrène entourée près de cette personne, près de Lady Ponce, qui passe le temps à nuire son image. Pourquoi? Parce que tout ce que tu fais... Tout ce que tu fais, c'est pas pour apporter certaines à la calmer. Une personne de ton âge serait là à demander, à conseiller. Mais quand tu te lances dans cette logique où tu vas prendre des enfants atteints des enfants malades qui ont une certaine déficience mentale pour aller sur les réseaux sociaux insulter des personnes comme moi, je suis sûr, une chose, je suis sûr. Lady Ponce ne peut pas s'asseoir là et m'insulter. C'est pas possible. Je ne peux pas m'asseoir ici et insulter Lady Ponce. C'est pas possible. C'est même pas possible. Pourquoi? Parce que je suis un intellectuel. J'ai été à l'école. Je suis pas un con. J'ai fait 2 ans de vie presque avec cette dame. Je n'insulterai jamais. Parce que qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez essayé d'instrumentaliser la toile pour dire que
Je suis derrière Coco, je suis cette personne qui tire les ficelles. Moi, je n'ai rien à voir dans cette histoire de marmite. Et d'ici la fin, je vais donner mon avis par rapport à ça, parce que je vais évoluer et je vais finir par donner quelques conseils à Lady à la fin. Moi, je le dis et je le réitère, je ne vais jamais insulter les différences. Pourquoi? Parce que je suis un enfant d'une bonne éducation. Elle et moi, on a eu nos différends. Je ne suis pas un revanchard. Je suis pas le genre de personne qui tire sur les gens. Quand une relation finit, elle est finie. Je lui souhaite bon vent. De plus près de 3 ans, on ne s'est pas parlé. Pour les personnes qui disent que je lui cours après, elle ne le dira jamais. Pourquoi? Elle sait que ça fait 2 ans, simultanément, on est bloqué. Je l'ai bloqué, elle m'a bloqué. Donc, ça fait 2 ans, elle et moi, enfin, plus de 2 ans, elle et moi, on ne s'est pas adressé une seule parole. Donc, les gens qui disent que je cours après elle, ou c'est une personne que je respecte, je ne vais pas. Ce qui s'est passé entre nous, c'est passé. Et je ne vais pas tirer sur elle. Pourquoi? Parce que dans la vie, il faut apprendre à comprendre les choses. Personne n'est parfait. Moi, je ne peux pas dire que je suis l'homme le plus parfait. Moi, j'ai mes devoirs. J'ai mes devoirs. Je ne suis pas la personne parfaite. Et je dis souvent, il ne faut pas chercher à comprendre les raisons pour lesquelles une personne décide de partir d'une relation. Une personne peut partir d'une relation pour une cuillère, pour une fourchette, pour tout. Je ne suis pas, elle a eu ses raisons, elle a fait ce qu'elle a fait, je ne suis pas là, c'est passé, moi j'ai enterré. Donc, que les personnes qui essaient d'instrumentaliser la toile dans le sens d'avoir quelques étoiles, arrêtent de dire que je suis un revanchard, j'en ai après les dépenses. Je tiens à dire, les dépenses, c'est une personne que je respecte énormément du côté de sa musique. C'est une femme très talentueuse, mais ce que je vais dire, le problème qu'il y a sur elle, c'est son entourage. Je vais y revenir petit à petit. Donc, je voulais dire, cette grabataire de Marie-Thérèse Babon, c'est une personne qui ne doit pas rester à côté de cet artiste. Pourquoi? Parce que quand tu demandes à un déréglé mental de se mettre sur la toile et de dire que les diplômes lui ont envoyé l'ordinateur de Coco. Ça montre à quel niveau tu es petit dans la tête. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que ça montre? Tu es en train de jeter les diplômes à la vindicte populaire. Pourquoi? Parce que quand Coco demande son matériel, qu'est-ce que les gens diront? Que oui, Coco demande son matériel, mais les diplômes préfèrent l'envoyer à Lyon. Ça dessert qui? Ça dessert les diplômes. Et qu'est-ce que ça fait? Ça devient comme de l'huile dans le feu. Coco va tirer de plus en plus sur les dépenses. Donc, sincèrement, grand-mère, essaye de changer ta façon de faire, parce que c'est pas bien. Je vais passer à une autre personne qui ne dessert pas du tout les dépenses. Je vais parler de Amazon. J'aimerais dire à Amazon qu'elle essaie de secouer ses neurones. Pourquoi? Parce que la première fois de sa vie qu'elle a touché un billet de 200 euros, c'est moi qui le lui avais donné. Et j'aimerais que Amazon comprenne qu'elle n'est pas une artiste chanteuse, mais Amazon, c'est une artiste du chantage. Parce que je ne me rappelle pas, je suis allé sur iTunes, je n'ai pas vu tes œuvres, j'ai rien vu du tout. Pendant que tes collègues musiciens sont dans les studios, tu te lèves, tu es devenu, tu es dans Facebook, tu dors dans Facebook, tu es devenu une chasseuse d'étoiles. Pourquoi? Parce qu'il y a un système où les gens chassent les étoiles. Pendant que les astronautes essaient de contempler la Lune, pour regarder les étoiles, il y a des gens qui sont sur Facebook pour chercher les étoiles. Et tu fais justement partie de ces personnes. J'aimerais te dire, Amazon, tu n'as même pas le niveau de parler de quelqu'un comme moi. Pourquoi? Parce que j'ai beaucoup fait pour la culture. J'ai beaucoup fait pour la culture. Déjà, en 2001, j'avais une maison de production en Angleterre. J'ai aidé beaucoup d'artistes. Des artistes que tu ne pourrais même pas prononcer le nom, me prononce mon nom avec respect. Et
Tu décèles les dépenses ou quoi? J'ai été le mari de cette dame. Donc, quand tu te mets dans les réseaux sociaux, tu parles de ma vie, tu parles de mes parties intimes. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que tu recherches en réalité? Tu recherches, tu es en train de semer la haine. Pourquoi? Parce que si j'étais de ces personnes incultes qui essayaient de réagir à tout vent, je serais absolument en train d'insulter Lady Ponce et dire que c'est Lady Ponce qui t'a envoyé. Mais en fait, moi, je ne peux pas tirer sur Lady Ponce pour ça, parce que des personnes comme toi, tu n'es que... comment ça peut dire? En fait, tu n'es qu'un fanfaron. Pourquoi? Parce que quand tu te mets devant les réseaux sociaux, tu dis Dieu, c'est que tu peux, sincèrement, tu prononces mon nom Amazon. Même s'il fallait regarder les artistes, je ne regarderai pas quelqu'un comme toi, parce que tu pourris vivant. Ce que j'aimerais dire, et j'aimerais dire au Cameroun, toi tu, moi je suis dans le showbiz, je peux parler du showbiz, parce que j'ai été organisateur de soirées, j'ai produit plusieurs artistes, je veux parler, parce que moi, je veux dire la gangrène du Bikuti, c'est toi. Pourquoi? Parce que, de ma connaissance, il n'y a pas un artiste Bikuti qui a autant insulté ses sœurs. Je connais tous les artistes du côté. Je dis à toi, tu as insulté Lady Ponce, tu as insulté Chantal ici, tu as insulté la patriarche. Parce que pour moi, une artiste comme Mama Katino, c'est un patriarche. C'est pas possible. Quand je vois quelqu'un comme toi se mettre sur les réseaux sociaux et d'insulter Mama Katino, et que tous les artistes du côté restent silencieux, moi, j'ai fini par comprendre que le véritable problème du Bikuti, ce sont les artistes Bikuti. Parce que je ne vais pas, je vais prendre un exemple simple. Je fais partie de l'Ouest. Mais je ne pense pas qu'un musicien, petit musicien de l'Ouest, puisse s'asseoir et prononcer le nom d'André Marie Tala. S'il le fait, tous les musiciens de l'Est, de l'Ouest vont se lever comme un seul homme pour tomber sur lui. Moi, j'attendais. Je n'ai pas voulu, je n'ai pas voulu m'attarder sur ça, mais c'est parce que justement, cette inculte dans ma zone, j'ai décidé, elle a raconté un certain nombre de choses sur moi, j'ai décidé de me rater sur ça et profiter de cette tribune pour lui dire, moi j'ai dit aux artistes Bikuti, respectez Mama Katino, respectez-la. Pourquoi? Parce que elle était pionnière, elle nous a fait rêver. Ce n'est pas parce que aujourd'hui on a plus d'argent qu'un patriarche qu'on va marcher sur le patriarche. Respectez-la. Tant une petite énergumène, une petite escervelée, comme Azamazon sort en Mondovision pour tirer sur la maman, vous aurez dû faire flanc pour barrer cette idiote. Donc, moi, ce que je veux dire, c'est que ces personnes autour de Lady Ponce desservent Lady Ponce. Ce sont des personnes. Et moi, je te dis, Lady Ponce, tu dois te désolidariser de ces genre de personnes. Je ne suis pas là pour te dire avec qui tu dois être ou avec qui tu ne dois pas être. Pourquoi? Parce que tu es une grande artiste. Tu ne connais peut-être pas ta valeur. Moi, je ne suis pas une personne jalouse. Je ne suis pas une personne jalouse. Je ne suis pas revanchable. Je suis une personne qui encourage. Donc, les personnes comme Amazon qui insultent des grandes personnes, je sais que tu connais l'amour que tu as pour Mama Katino, Lily. Donc, quand ce genre de personne insulte la maman, tu dois te désolidariser d'elle. Pourquoi? Parce que Amazon, tu n'es rien dans le Bikuti. Tu n'es rien du tout. Je ne sais pas ce que tu chantes. Je suis allé sur iTunes. Je ne l'ai pas vu. Pourquoi? Parce que un artiste vit de sa musique. Je connais beaucoup d'artistes Bikuti qui ont au moins de temps en temps 200, 300 euros qui viennent de iTunes. Tu vends ta musique où? J'ai dit, tu n'es pas une chanteuse. J'ai dit tout à l'heure, tu n'es pas artiste chanteuse, tu es artiste du chantage. Parce que aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ton fonds de commerce? Ton fonds de commerce, c'est que il faut que tous les chanteurs voient que tu peux clasher tout le monde, pour que tout le monde ait peur de toi. Tu sèmes la haine et tu sèmes la peur dans le Bikuti. Pourquoi? Parce que tu es de ces personnes qui n'ont aucun talent, mais qui veulent utiliser la force pour se faire reconnaître. J'ai appris que tu aurais créé un groupe des Bikuti. Amazon, tu es arrivé dans le Bikuti quand vous créez un groupe. C'est pour ça que je me demande souvent dans ces pays comment les gens raisonnent. Quelqu'un qui n'a aucun talent va venir créer un groupe et va se mettre au milieu de vous pour vous diriger. Mais sincèrement, réfléchissez un peu.
Réfléchissez un peu, il faut arrêter, il faut arrêter. Il faut se donner de la valeur. La vie, comme on dit en anglais, on dit, la vie c'est on the queue. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des rangs. Moi aujourd'hui, pourquoi je me fais respecter? Je me fais respecter parce que je ne marche pas avec tout le monde. Il y a des gens qui me cherchent, oui, c'est cool. Ça fait, je suis au Cameroun. Des gens qui me connaissent. J'entre chez moi, quand je rentre du sport, j'entre chez moi, je ne ressors plus chez moi. Je reste chez moi, je n'ai pas besoin d'amis, je n'ai pas d'amis. Des personnes avec qui je fonctionne aujourd'hui, c'est des personnes que je connais, ça va faire plus de 20 ans. Et quand je dis des personnes avec qui je marche, il y a des personnes comme Alain Patrick, avec qui ça va faire plus de 20 ans d'amitié, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup encouragé à venir au Cameroun. Il y a quelqu'un comme Bertrand Chami, qui est un très bon ami à moi. Et c'est des personnes qui sont non seulement mes voisins, mais c'est des personnes d'une certaine vision. Moi, je marche avec des gens qui m'apportent quelque chose. Donc, pour avancer un peu plus et toucher le sujet d'aujourd'hui, moi, je suis entre Coco et l'indépendance. Moi, je suis pour la calmer. Je suis pour l'apaisement. Je suis pour l'apaisement, pourquoi? Parce que à un certain moment, il faut savoir avoir du discernement. Et il y a un jargon populaire qui dit, vaudrait mieux un mauvais arrangement qu'un long procès. Donc, j'ai été tellement interpellé par des personnes pour cette histoire. Et je bifurque rapidement pour parler de Fleur de Lys, qui est ma soeur, ma petite soeur. Pourquoi? Parce que ce matin, elle a fait un direct pour parler de moi. Et ce que je vais dire, petite sœur, je ne vais jamais t'insulter en public. Pourquoi? Parce que on dit un truc chez nous, le linge sale se lave en famille. Je vais juste te conseiller. Pourquoi? Parce que ce que j'ai remarqué, c'est que tu es prêtresse de la haine. Tu es prêtresse de la manipulation. Tu es tellement cupide que pour quelques sous, tu peux vendre un pays. Je vais te dire pourquoi. À cause des étoiles, tu as décidé de faire perdurer ce problème. Pourquoi? Parce que quand tu t'assois à longueur de journée, tu insultes Coco. Ce n'est pas pour les dépenses que tu le fais, c'est pour tes propres intérêts. Parce que tu es une personne cupide. Tu es cupide. Tu ne peux pas t'asseoir, venir te mettre dans les réseaux sociaux et tu tires sur Coco à longueur de journée. Non, ce n'est pas pour les dépenses, c'est pour tes étoiles. Je ne sais pas si tu es devenu astronaute ou il te faut des jumelles pour regarder. C'est pas la nature où chercher des étoiles. Les étoiles, tu viens sur Facebook chercher des étoiles. Ce phénomène d'étoiles, tout le monde cherche des étoiles. Apparemment, j'ai appris ce qu'Amazon, elle cherche des étoiles. Le Cameroun est plein d'astronautes. Sincèrement, je pense que la NASA doit venir employer les Camerounais parce que cette histoire, à cause de cette histoire d'étoiles, on ne respire plus. Moi, ce que je veux dire de toi, Flore, c'est que ce matin, tu as fait un direct. J'ai annoncé hier que je devais faire mon direct. Et même sans que je n'aie montré la couleur de mon direct, ce matin, tu as fait un direct où tu m'insultais. Tu me traites de tout, qu'un homme qui va dans les réseaux sociaux. Je vais te dire un truc, les réseaux sociaux, ce n'est pas seulement pour les femmes. Et contrairement à toi, je ne suis pas sur les réseaux sociaux pour faire de la mendicité. Quand je viens dans les réseaux sociaux, c'est pour éduquer. Pourquoi? Parce que je suis un intellectuel différemment de vous. Différemment de vous. Je ne mélange pas avec les incultes. Moi, si quelqu'un n'a pas un certain niveau intellectuel, il n'est pas mon ami. Pourquoi? Parce que moi, je ne parle pas des yeux là, dit que je ne fais pas ça. Je parle avec les personnes qui peuvent me comprendre. Il m'arrive souvent d'utiliser des grands mots. Et je n'ai pas envie d'être parlé et être le dictionnaire. Pourquoi? Parce qu'il y a des personnes, quand tu dis un grand mot, il dit, oh, ça veut dire quoi? Moi, je ne fais pas ça. La vie, c'est la vitesse. Donc, je disais tantôt ce matin, tu m'as énuméré dans ton direct, petit, tu ne peux pas parler de moi. Ce n'est pas possible. C'est vrai que tu es une bouffonne, tu fais la fanfaronnade et tout sur Facebook, tu fais rigoler, mais sincèrement, tu ne peux pas faire un clash avec moi. Parce que je ne considère pas ça comme un clash. Toi et moi, on ne peut pas clasher. Pourquoi? Parce qu'il y a une différence entre insulter et clasher. C'est deux choses différentes. Donc, je veux dire que ce matin, tu m'as interpellé dans ton direct. Pourquoi? Parce que tu as un seul objectif. Ton objectif, c'est que je vienne sur les réseaux sociaux et que j'insulte les différences. Pourquoi on appelle ça réchauffer quelqu'un? Ce que tu as fait ce matin, c'est me réchauffer pour que je tombe dans la poubelle comme toi. Je ne tombe pas dans la poubelle, je n'insulte pas les gens. Je conseille les gens. Donc, petite sœur, ce que tu dois savoir,
C'est que il faut avoir un peu d'humanisme. Arrête cette crédulité. Il faut arrêter. Il faut arrêter parce que tu veux l'argent, parce que tu veux les étoiles. Tu insultes Coco. La seule raison pour laquelle tu insultes Coco, c'est parce que tu as besoin des fans de Lady Boss. Ma petite, sincèrement, tu as perdu la moitié de ces abeilles. Bon, en fait, le terme abeille, j'aime pas. Pourquoi? Parce que pour moi, je n'aime pas trop catégoriser les gens de la sorte, mais je pense qu'il y a une bande de personnes qui ont décidé de te suivre. Ça va faire un moment. Ce sont des personnes qui t'ont aimé, qui ont aimé ton côté amusant et qui ont aimé quelque chose en toi. Ces sages femmes et cette femme intelligente se sont agrippées à toi. Elles ont décidé de te pousser. Mais c'est quoi le bilan? Tu as voulu l'aide, tu as voulu qu'on t'aide pour ta société. Ces femmes, ces braves abeilles que je respecte, pourquoi? Parce que le fanatisme, c'est pouvoir soutenir sa personne. Je tire un coup de chapeau aux abeilles, pourquoi? Parce que même si de temps en temps vous m'insultez, j'apprécie, pourquoi? Parce que vous suivez votre guide. Et dans la vie, la loyauté, c'est quelque chose pour moi qui est très important. Donc, je disais, ces personnes ont mis de leur argent pour t'aider. Ces personnes t'ont beaucoup aidé, mais le résultat, c'est quoi? Tu as créé plus d'une société, le résultat, c'est quoi? Pourquoi? Parce que quand tu sors du labo, il n'y a qu'un seul endroit que tu peux retourner dans le labo. Donc, petite sœur, je ne vais pas t'insulter, je ne vais pas te clasher. Pourquoi? Parce que toi et moi, on a appelé à se rencontrer dans les deuils, à se rencontrer dans certains endroits. Donc, je vais toujours, quand j'ai quelque chose à te dire, je passe par personne intermédiaire pour te le dire. Donc, je ne suis pas dans les insultes. Je te le dis, petite sœur, change de registre. Change de registre. Tu as un potentiel. Il faut qu'on te le dise. Si tes abeilles ne veulent pas te le dire, je vais te le dire. Il y a des personnes sur la toile, comme Coach Amon, que j'aime bien suivre de temps en temps. Ce sont des femmes qui ont un certain savoir qui aide. Moi, j'ai aimé la période où tu étais le porte-voix des personnes qui n'ont pas de voix. Quand peut-être des gens venaient, avaient des problèmes, tu t'asseyais, tu faisais des missions, tu aidais les gens. Moi, j'étais bien content. Moi, j'aimais bien, même si on ne se parlait pas. Tu dis que tu as fait une journée où tu dis que j'ai le macabre. Je ne peux pas avoir ton macabre, Flore. Mais c'est que je ne suis pas adepte des personnes qui ont le double langage. Je ne suis pas adepte des personnes hypocrites. Je ne suis pas adepte des personnes qui véhiculent la haine. Oui, parce que dans cette histoire de l'île, tu as vécu la haine. Et tu profites de la haine pour te faire des étoiles. Pourquoi? Parce que même si, Coco, j'avance un pas avec Coco. Coco, je connais Coco, ça va faire plus de 20 ans. Il y a eu une histoire entre Coco et Lady Ponce. Et je vais arriver dans la jeunesse, parce que beaucoup de gens qui parlent de ce problème ne connaissent pas ce qui se passe. On va vite fait de lancer tout genre de mots à Coco. Mais je tiens à dire ici que je ne vois pas ce que Coco fait comme de la méchanceté. Je vois ça comme des cris de douleur. Pourquoi? Parce que il y a ce chanteur Aznavour que j'aime bien écouter qui a dit, souvent la haine, les insultes, les bagarres, ce sont les derniers cris d'amour. Entre Lady Ponce et Coco, il y a eu beaucoup d'amour. Lady Ponce a, Coco a fait un anniversaire à sa soeur. Coco était là pour sa soeur. Moi, je suis contre, et Coco le sait, le fait que Coco essaye de publier Lady Ponce. Elle le sait, je suis contre ça. Et je pense qu'une artiste comme Lady Ponce ne doit pas être jetée à la verdict de cette sorte. Mais ce que je vais dire, c'est que chacun a sa façon de faire son deuil. Je le dis pourquoi? Parce que dès le début de cette histoire, quand les voix de Coco se sont retrouvées sur la toile par inadvertance, je dis bien par inadvertance, parce que dès le début de ce problème, Coco n'a pas fait un direct pour se mettre à tirer sur Lady Ponce. Que les personnes qui sont dehors, qui veulent se faire des étoiles, qui racontent n'importe quoi, pour régler un problème, il faut passer par la vérité. Et les personnes qui me connaissent savent que pour moi, la vérité, c'est quelque chose de très important. Même si tu es mon frère, tu viens avec un problème, je recherche la vérité. Donc, je ne vais pas prendre un côté par affinité. Pour qu'il y ait avancé, il faut vérité.
Donc, Coco m'a appelé un soir. Il m'a dit, écoute, Cyclone, je vais avoir un problème avec mon mec. Est-ce que tu peux m'aider? J'ai pris le téléphone. J'étais à Londres. J'ai pris le téléphone. J'ai appelé l'édipement. Je lui ai dit, écoute, j'ai mon ami Coco qui est embêté. L'édipement, c'est une femme généreuse. Elle a dit, non, écoute, voilà, c'est ton ami. Ton ami, c'est mon ami. On peut l'héberger. Coco n'était pas venu dans cette maison pour rester. Mais comme le dit Prof et moi, nous avions des projets de rentrer au Cameroun, on s'est donc décidé de proposer à Coco. Mais dis bien, on s'est décidé de proposer à Coco de rester derrière nous pour surveiller la maison. Donc, que les gens qui disent Coco SDF, SDF, que ces personnes arrêtent, ces personnes parlent des choses qu'elles ne connaissent pas. Je ne suis pas une personne qui ment. Je peux mentir pour avoir de l'argent. Donc, je veux dire que si Coco est resté dans cette maison, c'est parce que nous le lui avons demandé. C'est pour ça que Coco a décidé. On devait rentrer au Cameroun et Coco devait rester par derrière. Elle a un four. Elle devait utiliser ce four pour fumer parce que le derrière était assez grand. Elle devait utiliser ce four pour faire des poissons fumés. Et vendre. Donc, par la suite, ce qui est arrivé est arrivé. J'ai dû partir de ce biotope, c'est-à-dire cet environnement. Mais, qu'à cela ne tienne, je suis un témoin vivant du fait que Coco n'est pas resté là-bas parce qu'elle manquait où habiter. Et déjà, que les gens comprennent, une femme qui est en Europe, qui a un enfant, même si elle appelle je ne sais pas en France si c'est le 112 ou le quoi, on va lui donner un logement. Donc, Coco arrivait dans cette maison et entre elle et Lily Pons, ça allait très bien. Je vais dire, ces deux femmes se sont aimées. Et je vais profiter pour. Ouais, je vais arriver là après. Ces deux femmes se sont aimées. Et il n'y a pas de mariage parfait. Il n'y a pas d'union parfaite. Même entre mari et femme, ça peut arriver que on se déchire. Coco, un certain moment et moi, on a eu le torchon qui a brûlé. Coco était contre moi, elle a tiré sur moi, elle a fait ce qu'elle devait faire. Parce que Coco, c'est une personne qui est loyale. Je le dis, Coco est loyale. On m'a beau dire ce qu'on m'a dit, mais Coco, quand elle est avec toi, elle est avec toi. Elle a défendu les dépenses. Elle a tué là pour les dépenses. Donc, ce que je vais dire, c'est quoi? C'est que Coco a son matériel dans cette maison. Donc, moi, je suis pour la vérité. Et ce matin, ce que j'ai demandé à Coco, j'ai demandé à Coco que il n'y a pas de problème. Je ne suis pas pour que tu perdes ton matériel. Et je sais que Lady Ponce ne peut pas vouloir confisquer le matériel de Coco. C'est la gangrène qui est autour de Lady Ponce qui essaie de faire tout cela. Donc, je sais que Coco ne déteste pas les dépenses. Comme j'ai dit tout à l'heure, ce sont des cris de douleur. Chacun a sa façon de faire son deuil. Et je suis sûr même qu'actuellement où elle est, les dépenses lui manquent. Et j'ai eu un rêve tout à l'heure ce matin quand je préparais ce direct. J'ai été approché par un certain nombre de personnes que je préfère tellement. Et le nom, et ces personnes m'ont dit, c'était quoi l'objet de ton direct? Nous ne voulons pas que tu ailles te mettre à tirer sur les dépenses. Moi, j'ai dit, je ne suis pas un inculte. Je ne suis pas de ces personnes qui va aller à Mondiovision tirer sur une femme avec qui j'ai vécu. Moi, je ne fais pas ça. Les dépenses, voilà mon téléphone, j'ai tous ces numéros. Si je veux, j'ai quelque chose à lui, je lui dis. Mais comme je vous le dis, ça va faire 3 ans, elle et moi, on ne s'est pas adressé une simple. On n'a pas parlé, ça fait 3 ans. Je n'ai pas parlé avec elle. Je la respecte. Je ne suis pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, une personne revanchable. Je ne lui en veux pas. Et comme je dis, pour essayer de toucher un peu du doigt la culture camerounaise, chacun fait ce qu'il peut au Cameroun pour survivre. Le Cameroun, c'est difficile.
les musiciens sont, les musiciens sont ramenés à une sorte de clochardisation. Je vois dans beaucoup de pays où le ministère de la Culture fait beaucoup pour aider les artistes. Mais au Cameroun, qu'est-ce qu'on fait? On ne fait rien du tout. Les musiciens sont amenés souvent à faire ce qu'ils peuvent pour rester submergés. Pour faire un concert, on est obligé de cogner les portes, on est obligé. Je pense que si les musiciens camerounais avaient de l'argent, beaucoup de Camerounais, tous les musiciens camerounais seront des personnes aux mœurs beaucoup, beaucoup plus solides. Donc, je disais tantôt que j'ai parlé avec Coco aujourd'hui. Et beaucoup de gens disent que j'instrumente. Je n'ai pas besoin d'instrumentaliser Coco. Je n'ai pas besoin parce que je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on va exposer une femme avec qui j'ai vécu. On va l'exposer la sorte, ce que ça peut bien me faire. Moi, je profite pour saluer le grand frère Messon. Pourquoi? Parce que de toutes ces personnes qui sont sur la toile, c'est le seul qui est sorti avec quelque chose que j'ai apprécié. Pourquoi? Parce que il a dit à Lady Ponce que ton problème, c'est ton entourage. Il peut balayer ces personnes autour de toi. Et c'est très, très important. Une personne qui a vécu avec toi ne peut pas supporter qu'on te traîne de cette façon dans la boue. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas que les gens qui sont autour de toi. Coco était mon ami. Coco a eu des problèmes avec toi. Elle m'a demandé pardon. Je lui ai accordé ce pardon. C'est pas parce que je lui ai accordé ce pardon que je suis cette personne qui doit pousser. Si je voulais vraiment utiliser les éléments que Coco m'a apportés, je les aurais utilisés parce que il y a eu cette histoire de signature, je l'aurais fait. Et je pense que si j'avais activé ce levier, on ne serait plus en train de parler parce que c'est quelque chose c'est quelque chose qui va directement au pénal. Donc je ne suis pas un revanchard, je ne suis pas ces personnes qui détestent, je ne suis pas ces personnes qui essayent de tirer sur les autres. Donc, je vais venir sur Lady Ponce. Lady Ponce n'est pas une personne méchante. C'est une personne qui a un grand cœur. Elle est comme elle est. Mais son véritable problème, comme j'ai dit, c'est son entourage. Il y a des personnes comme Amazon, il y a des personnes comme Marie-Thérèse Babon qui s'érigent comme étant ses porte-parole. Lady Ponce, quand on t'appelle pour dire des personnes qui sont proches de toi, sont sur la toile et disent que ces personnes sont tes porte-parole, demande à ton manager de rectifier ça. Pourquoi? Parce que les personnes comme ça, tu ne saurais t'associer à ces personnes. C'est pas bien. Tu es une grande artiste et une grande artiste a besoin d'une bonne communication autour d'elle. Et aujourd'hui, tu prépares un Olympia. Tu prépares quelque chose qui est une fierté pour nous tous Camerounais. Moi, je l'ai dit, tant que moi, on a eu les problèmes, j'ai fait volte-face. J'ai eu toutes les flèches du monde. J'ai insulté les personnes qui m'ont supporté. Parce que je sais ce que c'est qu'un Olympia. Un Olympia, c'est quelque chose d'important dans la vie de quelqu'un. Un Olympia, c'est quelque chose qui est très bien pour l'image de la culture camerounaise. Quelques artistes camerounais sont passés à l'Olympia. Toi, tu vas faire ton Olympia. Je te souhaite bon vent. Je le saurai. J'ai été un des artisans, un des artisans de ce bébé. Tu le sais, les premières réunions, j'étais là. Donc, je le saurai. Et j'ai toujours dit aux personnes qui m'entourent, allez à cet Olympia. Parce que être patriote, c'est supporter les investissements des personnes qui viennent de nos pays. Autant, je demande à toute la communauté camerounaise et internationale de te soutenir à l'Olympia. Autant, je t'implore que tu essayes de mettre sur place une équipe qui va remettre les affaires de Coco. Pourquoi? Parce que même si on dit que Coco a un seul caleçon, deux caleçons, que ces choses lui soient restituées. Parce que ce sont ses affaires. Et j'ai appris qu'elle a des affaires personnelles. J'ai parlé aujourd'hui et on a essayé de parler, de voir ce matin avec certaines personnes dans quelle mesure on va essayer de faire des médiations.
Je tiens à dire ici que Lady Ponce et moi, c'est fini, ça va faire un peu plus de 3 ans. Et Lady Ponce, il n'y a plus de Lady Ponce et moi. Elle a sa vie, j'ai la mienne. Il n'y aura plus de Lady Ponce et moi. Je lui souhaite très bon vent avec qui, je sais pas avec qui elle est. Je lui souhaite beaucoup de bonheur parce que, en tant qu'être humain, tout le monde a besoin du bonheur. Et je suis sûr que là où elle est, elle me souhaite aussi beaucoup de bonheur. Et j'estime que dans la vie, il y a une période, peut-être un jour, elle et moi, on pourra être amis, peut-être pas. Mais je suis pas revanchard. Je suis sûr que de son côté aussi, elle n'est pas revanchard. Moi, j'ai fait ma vie, elle a tenté faire sa vie. Donc, si on dit, je suis là, ce n'est pas parce que je cherche quelque chose, comme les gens disent que je cours après. Je ne cours pas après elle. Et elle le sait. Parce que pour tous les gens qui me connaissent, quand je sors d'une relation, je ne rentre pas en arrière. Ce n'est pas possible. Donc, je vais dire que l'équipe de Lady Ponce essaie de mettre un peu d'eau dans leur vin et qu'on essaie de faire cette médiation où Coco va rentrer en possession de ses affaires, même si c'est une seule mamie. Parce que Lady Ponce, tu le sais, je le sais, elle a ses effets-là. Je sais que tu ne parles pas, c'est les gens autour de toi qui disent qu'elle n'a pas. Parce que ces personnes ne sont pas des acteurs. Toi et moi, on est acteurs. Quand Jojo vient, il dit que Coco a porté ses affaires pour mettre dans une picote. Sincèrement, une personne qui a passé 2 ans de vie, même si ce n'est que les habits, une picote ne porte pas. Coco est partie de sa maison, elle a investi son matériel. Je sais peut-être que ton silence est pour protéger les personnes comme Marie-Thérèse Babon, qui ont certainement pris quelques volets, quelques affaires de Coco pour aller vendre. Parce qu'elle sait que tu n'es pas une voleuse. Donc, ne reste pas silencieuse et tu laisses ton image être entachée parce que tu protèges cette petite voleuse. Moi, je vais te dire un truc. Dans une carrière, ou bien dans la vie, tout, ce n'est pas une affaire de rapport de force. C'est pour ça que moi, je vais essayer de prendre l'allégorie de David et de Goliath. Qui est dans la Bible, pour que la Bible essaie de nous édifier. David avait les gros bras. Goliath avait les gros bras. Mais David a pu le vaincre. Pourquoi? Parce qu'avec un peu d'astuce, tu peux démonter quelqu'un. Tu prépares un Olympia. Ne laisse plus et ne permets plus que les gens s'asseyent et disent des choses de toi. Comme j'ai dit, mieux vaut un mauvais arrangement qu'un long procès. Les gens aujourd'hui qui disent que ces personnes te descendent, comme le grand frère du méchant a dit, ces personnes demain vont utiliser les mêmes choses que Coco Médian pour te combattre avec. Donc, je suis dans cette histoire pour l'apaisement. Coco qui est une petite sœur, Coco qui est une sœur, une amie, pourquoi? Parce que dans la vie, il faut savoir pardonner. Amazon t'a insulté comme un chien, aujourd'hui vous vous parlez. Donc, Coco m'a insulté hier, aujourd'hui, j'ai pardonné à Coco. Je ne suis pas là pour prendre des parties. Je suis là pour l'apaisement. Et je demande que tu essayes de descendre, parce que justement, tu es très occupé par rapport à ton Olympia, mais que je demande aux personnes qui t'entourent, à tes managers, je demande à ces personnes de s'asseoir, de voir dans quelle mesure ce problème va se calmer. Moi, j'ai parlé avec Coco et j'ai, malgré toute sa douleur, j'ai supplié Coco de faire une trêve pour ses neveux. Donc, je vais autant que je peux m'investir pour que ce problème sorte des réseaux sociaux et que chacun mène sa vie tranquillement. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, si je suis dans les réseaux sociaux, c'est parce que les gens ont voulu profiter de tout ça pour lancer les balles sur moi. Il y a des gens qui ont voulu dire non, je suis revanchard, je suis en train de pousser Coco pour que Coco tire sur toi. Qu'est-ce que je gagne à vouloir qu'on tire sur toi? Et tu le sais, juste pour te rappeler, quand cette histoire a commencé, ton communicateur Domchen m'a appelé il y a cela une année. Quand il m'a appelé, j'ai dit à Domché que Domché, sincèrement, ça a fait longtemps que les deux moi, on s'est parlé. Pour l'instant, c'est mieux que les choses soient comme elles sont. Mais moi, précisément, je ne vais pas me mêler dans cette histoire. J'ai demandé que dit à Lady de régler le problème de Coco
le plus rapidement possible. Pourquoi? Parce que Coco est comme un serpent. Il joue avec sa queue, mais ne joue pas avec sa tête. Moi, je suis pareil. Je joue avec ma queue, ne joue pas avec ma tête. Pourquoi? Parce que je ne cherche pas les problèmes, mais quand on me cherche, il peut être souvent très, très méchant. Donc, pour des personnes qui veulent continuer la soirée des étoiles, qui veulent devenir astronautes, qui veulent rechercher les étoiles, moi je dis qu'il faut arrêter parce que vous n'aidez pas ces deux personnes. Vous ne les aidez pas. Les personnes qui tirent sur Coco par rapport à Lady n'aident pas Lady. Pourquoi? Parce que ce que vous faites, c'est quoi? Vous êtes comme de l'huile sur du feu. Vous plaisez à chercher vos étoiles tant que cette histoire sera sur la toile. Il dit, c'est sincèrement méchant. Il faut arrêter un peu d'humanisme. Et éloigner de vous la cupidité. Donc, ce n'est pas tous les jours on va essayer de vouloir gagner de l'argent. Donc, je ne vais pas vous retenir longtemps. Et je vais dire, Coco, je t'appelle très affectueusement mon sergent. Solennellement, je t'implore de faire une trêve sur tes nouvelles. Pourquoi on essaye de trouver une sorte d'arrangement? Je sais que tu es capable de le faire. Tu l'as fait une année. Tu as fait une trêve pendant une année par rapport à tes affaires. Mais je te le demande sincèrement du plus profond de mon cœur. Pourquoi? Parce que ta sœur, je vais te rappeler ta sœur. Ta sœur est en train de préparer un événement. Prends cet événement comme l'anniversaire qu'hier tu t'es démêlé pour que ça réussisse. Moi, mon rêve serait de te voir sur les réseaux sociaux en train d'encourager ta sœur. Mon rêve serait de te voir fermer la bouche de tous ces gens. Vous pouvez ne même plus être amis, mais vous pouvez vous respecter. Et c'est la même chose que je dis à l'équipe de Lévi. T'as pas besoin d'être ami avec Coco, mais elle a gardé tes enfants 2 ans. 2 ans. Elle a gardé la petite de ses enfants. Les gens vont dire, est-ce que tous ces gens qui sont là pour tirer, pour insulter Coco, est-ce qu'une seule de ces personnes aurait pu tout abandonner pour rester avec tes enfants? Ces personnes qui viennent sur la toile disent que non, je supporte Lévi. Flo peut venir garder tes enfants? Personne, aucune de ces personnes. Je sais que tu es blessé. Coco t'a blessé, peut-être pas sa sortie. Je dis, la sortie de Coco, pour moi, je ne prends pas ça comme des insultes. Je prends ça comme un cri de douleur. Parce que toute séparation dans la vie est douloureuse. Quand on se sépare d'un ami, c'est douloureux. Des fois, on utilise des flèches, on utilise des machettes. Donc, je prends ça comme quelque chose qui vient. Quand une bombe vient d'exploser, ça fait beaucoup de dégâts. Et avec le temps, il y a apaisement. Donc, moi, je suis pour l'apaisement. Et comme j'ai dit à ces personnes ce matin, on va essayer de voir ce qu'on peut pour que tous les camps essaient d'être, chacun essaie d'être satisfait. Si les affaires de Coco ne sont plus là parce que les gens comme Marie-Thérèse Bavon ont volé, ont vendu, on peut essayer de trouver une façon de calmer Coco parce qu'elle a le droit de savoir où sont ses effets. Elle a vraiment, vraiment besoin de savoir où sont ses effets. Donc, sincèrement, je souhaite que chacune de vous essaie de vaquer à ses occupations et que la paix revienne. Quand je dis la paix revienne, parce que aujourd'hui, je reçois des flèches. Et je tiens à dire à tous ces gens qui mêlent mon nom dans ça, je ne suis pas un revanchard. Je suis pas un revanchard. Je suis pas quelqu'un qui va, parce que je suis plus avec quelqu'un, essayer de tirer sur la personne. Oui! Quand Coco a pleuré, je l'ai écouté. Quand Coco est venu vers moi, ça ne veut pas dire que je l'ai motivé. Parce que il y a beaucoup de gens qui ont un problème, qui n'ont pas fini leur classe de cours moyen. Il y a une différence entre une personne qui écoute et une personne qui motive. Je ne vais jamais
amener Coco ou bien motiver Coco à insulter, lui dire non. Je peux l'écouter, je peux la comprendre. Et pour amener quelqu'un, pour calmer quelqu'un de soi, écoute la personne. Et quand la personne est fâchée, avec un peu de temps, tu essayes maintenant de ramener la personne à la raison. Actuellement, Coco est énervé. L'insulter n'arrange pas. L'insulter dessert les dépenses. Donc, je vais conclure en disant, Coco, je sais que tu es mal au fond de toi, mais je t'implore actuellement de faire une trêve. Tu es mon ami. Je vais essayer de voir ce que je peux faire, ce qui est en mon pouvoir, pour que tes choses te soient restituées. Et je demande sincèrement pour ces chasseurs d'étoiles, laissez ce problème. Arrêtez. Si vous êtes tellement en vie. Parce que je ne comprends pas pourquoi est-ce que les gens vont s'asseoir pour chercher les étoiles. Allez prendre un concert. Mettez cette chanson tous les jours. Faites la promo de l'Olympia. Ne cherchez pas les étoiles. Parce que quand vous êtes dans ces problèmes où vous insultez, c'est là où les gens viennent vous sur vos pages. Donc, je dis aujourd'hui, les réponses est une artiste camerounaise qui a beaucoup de talent. Je demande à tous les Camerounais d'aller massivement à l'Olympia soutenir cette Camerounaise. Pourquoi? Parce qu'ils investissent l'argent. Les personnes ont engrangé des grands sous pour cette Olympia. Et en tant que Camerounais, il est de mon devoir d'être partout où il y a les intérêts d'un Camerounais. Je ne veux pas que les personnes qui investissent l'argent dans cette Olympia, à la fin, ne puissent pas récupérer l'argent. Ce jour, allez soutenir cette dame à l'Olympia. C'est très important. Donc, Monseigneur Coco, je vais voir ce que je peux faire pour que il y ait à calmer et que tu récupères tes choses. J'en ai terminé. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée et que le Seigneur soit avec vous.